Non mais dis-le moi. Tu me dis Julien, je te fais une mauvaise blague, on en parle plus. C'est quoi? Pars. Si. Je m'étais dit peut-être Dégage. Pars de chez moi. Casse-toi. Loin. Sors de Dijon. Non mais c'est vrai, comment on peut encore se poser la question? Mandat simple, mandat exclusif. Non mais les gens, ils se posent encore la question. C'est marrant en fait, il y a vraiment un truc qui cloche dans cette phrase. C'est un petit peu comme si un serveur dans un restaurant vous disait: est-ce que monsieur a fait son choix? J'hésite encore. Je peux pas vous dire... J'hésite entre un ox corton et un aligoté. Ça dépend si c'est pour boire ou se laver les mains. Moi dans tout ça là, il y a un mot qui sert à rien. C'est ce mot-là. Le simple, ça équivaut à prendre des risques inutiles. Pourquoi? Parce que la plupart des vendeurs vont vous dire non, non et non. Moi vivant, je veux pas l'exclusivité, je vous préviens. Jacqueline! Non, on veut pas être bloqué. Et puis on veut aussi, c'est vrai, vendre de particulier à particulier. Non, puis on a du temps, voilà, on n'est pas pressé, on n'a pas le couteau sous la langue. Ah Jacqueline! Hein, qu'on a le temps! Bah donc un mandat simple. Oh, parce qu'on piquait la vie, oh, ça va. D'accord, monsieur Durand, mais si je vous comprends bien, ce que vous cherchez, en fait, en gros, c'est garder quand même votre soi-disant liberté et passer par un mandat simple. Comme ça, vous pourrez travailler de particulier à particulier. C'est bien ça. Donc, ce qui revient à gérer vos photos et vos publicités sans conseil. Perdre des heures pour rendre disponible après 19h ou le week-end. Faire visiter à des gens que vous ne connaissez absolument pas et dont vous n'avez aucun moyen d'obtenir des garanties financières. Sortir des conneries, hein, ou des choses à pas dire à des acquéreurs qui vont fuir. Ne pas savoir comment questionner et percevoir les réactions de l'acquéreur. Attendre désespérément un retour ou une réponse qui très souvent n'arrivera jamais. Comment ça, Jacqueline, qu'est-ce que je fais? Ben, je rappelle les clients. Ça fait quand même un mois qu'ils ont visité. Attirer les touristes ou les promeneurs. Monique, viens voir! Mets-toi devant l'escalier et jette tes cheveux comme ça devant l'escalier. On est dimanche, ça vous dérange pas? Allez, cours, je te prends en passant, cours. Je shoot. Vas-y, Monique. Et le tableau, vous le vendez pas à part. Une mise en vente pendant des mois et des mois pour au final user ou cramer le bien sur le marché. Non. Écoute, Michel, ça fait 8 mois que j'ai vu l'appartement sur le marché, il y a encore. À mon avis, il y a un problème. Il est trop cher, ou il y a un loup, hein. Il y a un macabre, ou il y a une entité. Hein. Ne pas savoir gérer et maîtriser la négociation. C'est vrai qu'il y a la cuisine à refaire, la salle de bain, l'électricité, les fenêtres, pas de garage, pas de balcon. Mais bon, 10 000 euros de négo. C'est 10 000 euros, hein. Je sais pas trop. Être tributaire de la disponibilité de certains notaires par rapport à la promesse de vente. Au risque que l'acquéreur aille acheter ailleurs. Donc on signera la promesse de vente que dans 3 semaines. Bon, bah si on n'a pas le choix. Merci maître, bonne journée. Exactement tout ce qu'il faut faire pour pas vendre, voilà. Donc il vaut mieux choisir la sécurité et l'efficacité, le mandat exclusif. Mandat exclu, mandat réussi, mandat succès, mandat confiant. Oui, j'entends encore certains vendeurs qui pourraient dire: j'ai bien compris tous les risques que je vais prendre à vendre de mon côté en particulier. Ce qui m'embête, c'est que je vais te bloquer pendant 3 mois. Sauf que par rapport à ça, je vais rebondir. Avec les nouveaux mandats qu'on peut faire maintenant. Mais si, les nouveaux mandats, ceux qui sont modulables, là... Je les ai là, ils sont chauds, hein. Ils sortent du four, ils sont là. Putain, c'est chaud. Moi, c'est chaud. Putain, la basse. On va pouvoir maintenant, en fait, tout moduler. En fait, c'est un mandat à la carte, un peu comme chez McDonald's. Je voudrais un Big Mac, des nuggets froids, un Coca-Cola coupé à l'eau. Ah oui, et une sauce barbecue. Bah là, c'est pareil. Eh ben, je coche. Voilà, 3 semaines, un mois, allez, un mois. Publicité, je vais prendre ça. Si dans 3 semaines, un mois, on n'a pas l'offre, j'ai bien compris, ça baisse le prix automatiquement. Voilà. Bref. Le mandat simple, j'arrive pas à le dire. C'est peu de communication, une visibilité minimale, libre de faire et de dire n'importe quoi pour les visites de PAP, un délai de vente très long, un bien grillé sur le marché. Juste pour que tout le monde ait bien l'image, je vous montre l'ambiance avec des vendeurs en mandat simple. Ça fait combien de temps que tu essayes de vendre? Putain les gars, ça fait 10 mois quoi. Ah ouais? Quand même! Pauvre vieux. Et les gars, il reste pas des chips? Et le mandat de vente exclusif, communication régulière et ciblée, visibilité importante, la gestion complète du processus de vente par un pro, un délai de vente court, la vente du bien. Je vous montre l'ambiance chez les vendeurs en mandat exclusif. Il a vendu. Il y a un des deux mandats qui sent pas bon. Je laisse deviner, hein. Il a. Je peux pas mieux faire. Julien, je peux pas.